cette heure d'arrêt, on se retrouve pour la suite de nos aventures en multi sur Europa Universalis 4 avec Slan, Broudaf et le Signe Noir. Bonsoir messieurs. Ciao, ciao, ciao. Salut. Alors là, on part sur un épisode guerrier. Là, dès le départ, ça va tataner sec. Je crois que le Signe va attaquer. Ouais, on va aller attaquer le Taumon et on va même le cocher comme co-belligérant parce que pourquoi pas. Et on va tester si la France vient du coup. Pourquoi je peux pas le cocher? Je lag, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Non. Oui. Et on n'a pas ta réponse. Bah, je peux pas cocher l'ennemi, donc je pense que peut-être enlever la pause deux T'es secondes. En trêve avec lui. Ah bah non, pas avec le Taumon. Non, c'est vert et tout, ça me dit bien, vous pouvez le cocher, il invitera ses alliés et tout, mais quand je clique, ça ne fait rien, donc je pense que c'est un lag. Vas-y, enlève la pause un petit jour. La Hongrie, je peux pas entraîner l'Autriche dans la guerre? Pourquoi? Ah oui, pardon, c'est à moi de l'enlever. Oui, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Non, mais c'est peut-être parce que j'attaque la dépendance du coup que ça veut pas le prendre. Ouais, c'est pour ça, tu pourras pas. Bon, tu veux venir, Teton? Je peux venir pour le principe, mais je te servirai à rien. Hein. Je pense pas que t'aies besoin de mes flottes pour les petits. C'est pour les impôts de guerre, quoi. Alors attends, je regarde ma lassitude de guerre, te dire. Oui, je peux venir. Je peux venir. Ça pique quand même. Récupère un diplomate. Hop là. Accepter déstabiliserait l'Autriche. On peut même pas attaquer la Castille. Et donc France n'est pas venue a priori. Parfait. Bon. Attends de voir passer un mois ou deux. Oula. D'accord, je voulais attaquer Mantoue, mais apparemment elle est dans ma ligne commerciale. Je sais pas quoi attaquer. Ça va être le même look, hein. Yop, on s'attache. Bon bah, Broudaf, je suis super désolé, mais je fais une revendique sur le même look, hein. Voilà, non, en fait, j'allais déjà en train de débarquer, quoi. Je suis pas en état de t'aider pour le même look, hein. Ouais, mais je vais y arriver tout seul. Donc là, l'objectif, c'est de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces, c'est ça, mon très cher Signe? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Si on peut aller chercher Taumon en plus, on va pas se plaindre. Bon, mes bateaux sont un petit peu dans le mal, mais c'est pas grave. Les Ottomans, c'est quand la trêve? Ma plus proche trêve, de toute façon, dans le coin, c'est Marrakech en 71. On va pas glander pendant 3 ans. Si tu savais ce que je suis en train de faire, moi. Juste avant, je glande. Avec la maintenance à zéro, comme ça, je gagne même pas 20, tiens. Allez, je continue l'entraînement de mes troupes, ouais. Un peu plus de professionnalisme. J'ai rendu à 14,36. Bon, il y a la Suède qui arrive, c'est bon, j'ai pas besoin de ramener plus d'hommes. On va s'emmerder. Pas de doute, faut que j'attaque la Hongrie. T'attaques l'Anglais? La Hongrie. La Hongrie. Malentendu, je me disais quoi? What the fuck? Il est très fort la Hongrie, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai un malus de traversée alors que mon mec il a 5 de manœuvre là? C'est un scandale! Cool! Du coup des vaisseaux lourds, des vaisseaux légers. Bah justement, refaisons un vaisseau léger pour le commerce. Bon. Les impôts de guerre, le français il a bien bouffé la Bourgogne, hein? Il s'est fait plaisir. Alors, l'Écosse, ça commence direct en enthousiaste de guerre faible. Allez, on va aller réparer les bateaux. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que. Ça va être Mamelouk. Hein. C'est mon adversaire le plus faible. Il est énervé pourtant. 51 000 hommes. Ah merde, là, y a un... Après, il est occupé pour l'instant dans le Caucase, hein. Donc je peux pas l'attaquer tout de suite, de toute façon là. C'est cool, là, y a le Munster qui fait le blocus pour moi, non, pas se plaindre. Stop, pause, hop, 2 secondes. On est vraiment pas pour longtemps. Bah vas-y, hein. Maintenance de l'armée. Fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Non, pas maintenance de l'armée, pas la peine. Ouais, mais les mercenaires, ils maintiennent eux.
mercenaires y maintiennent à tous les coups. Normalement, oui. C'est juste que moi, faut que je me casse. De là, Kosovo. Ouais, pour la doctrine navale hein, pour réparer le bateau sur les côtes, là. C'est trop bien. Oh, j'ai plus mon général 3 étoiles, enfin 3 de siège. Ah, mais j'en ai un autre. Briser l'alliance. Ah, pardon. Tu disais. Non, je disais que je venais de perdre mon général 3 de siège, mais j'en ai un autre. D'accord, non, parce que j'allais briser l'alliance, moi. C'est à peu près tout ce qui m'intéressait chez toi. Oh, de suite. Bah écoute, en même temps, t'es mignon. Ce qui est petit est mignon. Je suis tout petit. Ce qui est mignon est trognon, et les trognons, on les fout la poubelle. Bah. Mais carrément. Oui, d'accord. Bah t'es petit, dis-tu. T'as quand même. T'as quand même bien maroquisé. Ouais. Bon bah ça va être une petite guerre tranquille. Ah ouais, ça va être pépouze hein. Je pourrais chercher. Moi je bouge même pas, j'ai mis mes troupes à s'entraîner tranquillou. Je vais peut-être même bon, je vais prendre ça et après je vais aller me descendre du côté de Tormon histoire de l'empêcher de se faire trop prendre par le Munster. Bon, est-ce que c'est vivant le Munster qui perd? J'augmente la taille de l'armée. Ah non, il est là, mais il n'y a pas assez de troupes pour faire le siège. Bon, c'est parfait, ils sont en statu quo. Ouais, on a le temps. Ouais, mais pas en guerre. En fait, on n'avait pas une coalition. Si. C'est trois fois rien, ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ah, t'as juste la moitié du monde connu. Franchement. Easy peasy. Tu vois, à quel point je trouve que c'est négligeable, c'est que j'ai même pas de raccourci sur les cartes pour voir les coalitions. Je ne t'exagère. Autant dire que ça ne me préoccupe pas. Ah mais je suis plus allié avec Jeanne. Elle a rompu l'alliance. Ah mais très bien. Ouais, enfin elle est alliée à la France. Je crois que tu voulais l'attaquer. Ça me dérange pas. C'est sa seule alliance. La France, ça reste la France quand même. Hein. Et Luc. Bon. Oui, mais j'ai pas de revendique. L'Ottoman, il a tout pris. Ah, le coquin. Oh non. Ouais, il lui a laissé Azov. Ouais, ça me dérange pas. C'est un problème teuton, ça. Odna. Bon, de toute façon, je l'aime maintenant. Ah merde, allié à la France. Ah oui. Bah ouais, c'est ça le truc. Ok, on a le siège. Odna, c'est réglé. Mais bon, bah. 71, Boudaf. Bah ouais. T'as fait des revendiques, t'as tout ce qu'il te faut déjà, tu seras prêt. J'ai des revendiques, ouais. 71 quoi. Je suis en train d'entraîner histoire de monter le professionnalisme. Mm-hmm. Allez, on se tire d'ici. T'as une seule revendique. On va finir le taf. Ouais, mais c'est une revendique perpétuelle. Ouais, mais au cas où, fais ta filialité. Et on débarque là. C'est parti. Alors, voyons voir. Ça va, ça devrait bien se passer. Les monopoles. Ah, on va prendre la province qui a un nom imprononçable. Non, bah, je vais pas la prendre exprès. Gonart ? Non. Tvadmdumain. C'est le truc avec un DHMH qui s'enchaîne. Tvadmdumain. C'est pas facile à prononcer ça. Ouais. Bah, ça va, il y a pire. Il y a Utrecht. Et je suis sûr qu'Atox il va regarder la vidéo et faire c'est pas comme ça qu'on prononce. Scandale. C'est pas du tout. J'aurais droit à un petit MP dans ma boîte Discord. Alors. Bon, ils pètent les Serbes là. Allez, revendications faites sur les Mamelouks. Combien il me faut d'hommes pour les attaquer? On sent la désespérance de l'Écossais qui a 3000 hommes là qui. faire bon, bah, on les attend, hein. C'est ça. Bah, je peux aller ni en haut, ni à droite, ni à gauche. Du coup, bah, je reste là et je prie.
Tomon, il a quand même 7000 hommes hein, sur la capitale de... Ouais, mais il en faut 9000 pour faire le siège. Donc du coup, si tu regardes, ils sont tous les deux là, avec leur morale au minimum, à pas entretenir leurs troupes, Manfred et lui. Magnifique. T'auras le droit de faire une revendication après directement sur Munster pour aller finir le sud de l'Irlande. Ah, c'est clair. D'ailleurs, je pense que je vais tout de suite commencer à faire un réseau. Ouais, t'as bien raison. Des conseillers moins 10. Ah, ça y est. Les herbes. Enfin, pouvoir baisser ma maintenance. Tu voulais attaquer Jeanne, Slan ? Ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas de revendique pour l'instant. Non, mais parce que moi je peux m'allier à la France, et si j'embarque la France et toi dans une guerre, après toi tu peux attaquer Jeanne tranquille, quoi. C'est exact. Est-ce que je peux attaquer Luc ? Non. Et la France, je sais déjà où je vais l'entraîner. En parlant de s'allier à la France... Tout le monde s'allie à la France, quoi. Moi, si t'entraînes la France dans la Castille, Aragon-Naples, j'ai vraiment des trucs à prendre sur Aragon, quoi. Notamment Matt, j'aimerais bien le monter rapidement. Oh non, Écosse, t'inquiète pas, on va te faire une paix, ça va venir, t'en fais pas de stress. Je pourrais attaquer les états pontificaux, peut-être. Ragus, mais disons que France contre Castille, tu serais pas obligé d'être focalisé dans la guerre contre l'Aragon, tu pourrais faire une petite guerre à Gênes tranquillement de ton côté. C'est chaud, non? Quand tu attaques Castille, tu vas réussir à t'en sortir. Sauf si le français est débile, tu viens pas, t'es un peu dans la merde. Là, pour l'instant, je suis en train de monter les faveurs avec le français. Je viens tout juste de m'allier. Donc, c'est pas dans un mois, la guerre. Ça marche. Donc, avant, on se prépare à finir ton petit Maroc. Ça va entraîner qui, tout ça? Ouais. Sous cette Lemken. Castille. Ah! Tu peux attaquer, fais gaffe, t'as filé la lettre, il est en train de caster, ouais. Ouais, mais... Lemken Marrakech, ok. Donc d'abord, t'as Lemken Marrakech et Sousse, et plus tard, t'as filé la lettre, alors. Voilà. Ah, roule, tu le sortiras plus tard. C'est-à-dire que je peux pas faire... Si, je peux faire un bâtiment. N'oubliez pas que la... Vu qu'il est juste allié... Sur la Castille. Ouais. Oui. Alors, je veux dire, hein, Naples, 0 000 hommes. Hein. Et voilà. Fais pas peur. Zéro homme, ouais. Pas de troupes. Pas de troupes, et est-ce qu'elle est très fidèle? Elle est assez fidèle, ouais. Ah, mais l'Autriche voudrait bien venir. Elle a moins 1. Si j'attaque Naples. Et tombe. À ton avis, vaut mieux qui? La France ou l'Autriche? Excusez-moi, je me pose. C'est chacun notre guerre. Séparément. Ah ouais, donc moi je ferais la guerre avec la France contre Castille et toi de ton côté tu déclarais pour Naples. Je déclarais la guerre contre Castille, Aragon, Naples, et on fait chacun une paix séparée en se gavant et à la fin on a 4000 d'expansion agressive. Ouais. Large quoi, le truc, le truc normal quoi. Tous les jours. Oh là là, mais le Saint-Empire n'aime pas que je prenne Tomon quoi. Non mais. Ah bah oui. Sans déconner. Bah, voilà. Allez, t'avais pas le revendique dessus, c'est en Europe. J'ai hâte de voir ton expansion. Et en plus, tu colles tes séparatistes tomondiens sur Munster. T'es comme ça, toi. Ouais, mais de toute façon, il peut pas faire le siège, donc m'en fous. C'est-à-dire que pour passer, il est obligé de passer sur les becs d'à côté. Il fait le siège de Munster. Non, ouais, il faut 9000 hommes. Et il en a que 6000. Oui, il avance ça pas. Bouge pas du tout. Donc si j'accroche Marrakech sous Slemsken, c'est quand même 18 000 hommes. On va faire des petits essais. Si on prend. Donc faut que je ramène du monde. Ah. Je peux ça va, pas t'as 20 000 hommes. Ah, c'est pas moi, c'est Broudaf. Je pensais qu'il allait faire sa petite guerre tout seul. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai rien à gagner là-dedans. Ah, j'ai 15 000, je peux sauter sur. Bah oui, mais je peux virer 5 000 de Tlemcen ou 6 000 de Marrakech. Oui, et bah par sécurité, je vais t'amener un petit mercenaire à 8000 pas loin. Ouais, ce serait sympa, ouais. Ah, comme ça, j'aurai mes impôts de guerre. Il me doit 2 points de faveur, le signe. Bah écoute, je crois que je t'en ai offert près de 40 depuis le début. Oui. Donc je me sens pas trop débiteur, tu veux. Surtout que je n'ai rien fait de la guerre.
Ah, c'est un joli ordre teutonique qu'on a là. Non, il est tout petit. C'est surtout la Pologne le problème. La Hongrie. Ouais. J'arrête pas de check la Hongrie pour voir si elle baisse un peu. Ah bah y'a plus personne, y'a plus aucun pays outragé amélioré, dis donc. C'est dingue ça. C'est-à-dire que t'es dans la merde parce que vu comment ils détestent tous. Bon, on va aller faire des réseaux sur l'anglais pour la peine. C'est bien ça. Moi y'a l'Ottoman qui veut aller dans la coalition, mais je comprends pas pourquoi. L'artillerie se fait doigt, on s'en fout de ça. On a toujours été amis. T'es ami avec des gens et quand même ils t'aiment pas. Bah oui, l'Ottoman. C'est pas cool hein. Quasiment rien pris pour moi. Bon bah mon général qui est mort le lendemain de la guerre quoi. Le mec il a pris un peu trop de champagne pour fêter la victoire et bim, le décès. Où il est reparti avec une balle dans le bide. C'est où Florence? Go sur Florence. Clairer la guerre. Voilà les séparatistes un peu mondiens qui font le taf, ils nettoient Munster pour moi. Alors, pause. La Poméranie me fait contre Brandebourg-Ansbach-Bayreuth. Ouais bah oui, vas-y. Hein. On va rompre l'ennui, alors on est en guerre contre... trois fois rien, on va les massacrer. Rah, l'anglais il est rentré en guerre contre le... le Leinster, le salaud. On va le prendre avant que je puisse le prendre. C'est dégueu. Ouais, franchement... Alors, Castille, hop. Castille, même pas, de toute façon, alors pourquoi je m'emmerderais ? La France, ouais. Elle a 800 balles de dette, quoi. Ah ouais, t'es pas prêt de l'entraîner. Non. Avoir un peu de mal, ouais. Bah, elle venait quand j'attaquais l'Écosse. Bah ouais, parce qu'il y a depuis... Puis parce que t'es peut-être pas aussi dangereux que la Castille pour lui. Sans vouloir te vexer. Bah écoute, il se trompe. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Bah toi, t'as beaucoup de bateaux. J'ai rien d'autre à dire. Bon, le Munster accepterait d'être vassalisé. Ça peut se tenter, hein. Ah, t'as 19 000 hommes. 10 000 la Suède. 20 000 hommes, ouais. 8 000 la Norvège. Ok. Et la coalition, éventuellement, il pourrait considérer que je suis potentiellement dans le mal, mais... Ah bah, si t'étais en guerre contre la France, ouais, ça, c'est clair. Non, mais tu sais, il pourrait se dire... Ah non, de toute façon, il est déjà allié avec moi, donc... Si le Français était venu défendre l'Écossais, ils auraient vu des bus français remonter vers le nord, ils seraient dit « Oh, allez par là !» Peut-être que ça serait bien. C'est quoi cet avantage même religion? Même religion, j'ai plus 25 pour... plus 25 points de... Ouais, t'as raison. De relation. Le vire. Bon, la France veut les cartes du Maghreb. Maghreb, si tu veux, ça me filera du prestige. Ouais. C'est quoi ça? La doctrine du jugement particulier. Perte de 0,50 en désir de réforme, gain de 5 en agitation. Oui. L'Ottoman, c'est combien? Je vais pas attendre. Coup, là, on a non, 74. Ça va aller, 74, si on fait notre petite guerre à 71. Je crois qu'il gêne en 73. La guerre, c'est dans un an. Ouais, mais ça va être rapide, c'est le problème. Qu'est-ce que je vais faire d'autre, moi? J'ai envie d'attaquer le Mamelouk, mais tu vas pas pouvoir m'aider assez. Rien faire, là. Ouais, c'est quand même... Ah non. Là, en manpower, j'ai que 5... enfin, en réserve, j'ai que 5000, hein. Je vais utiliser mes faveurs de l'Autruche pour lui dire de pas aimer les mêmes. Cola, c'est quoi ça, Cola? Attendez, qu'est-ce qu'il... Le Norvégien, il veut des trucs. Cola. Envoie le chier. Bah, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il veut. Trouver. Cola, c'est le nord de la Russie danoise. Cola, il veut ce truc-là? C'est nul, ça, non? C'est de la merde. Province à droite, t'as de la fourrure. Ça me rapporte 0,01.
parce que ouais, c'est... Ouais, mais bon, ça fait toujours ça de plus en coût d'intégration, quoi. Ouais, ouais, non, mais... Par contre, je crois que t'améliores tes relations avec tes deux gars, là, parce qu'ils sont à vraiment très peu. Pas que ça baisse, en même temps, ouais. T'as pas charté, hein. Non, je convertis. Ah, ça c'est bien, ouais. Ça. Ça, bah, j'aime. Bah oui, bah oui. Attends, je suis allié du teuton, moi, vies, pas toi. Du vénitien, moi. C'est honteux, chacun sa religion, chacun sa foi. Alors, c'est quoi cette histoire? Je suis allié du teuton, pas du vénitien, moi. Attends, c'est pas déconner. Ouais, tu mets une charte et puis après tu retires les provinces une par une pour les convertir. Oh, bon. Ouais, voilà, tu leur fais croire que... Pas du micromanagement comme ça. Je les convertis, puis après je fais une charte éventuellement. Mais oui. Il a pas de problème de fric comme toi. Oui, bah c'est bon, hein. T'en sors, Boudaf, maintenant? T'as plus combien, là? Allez, le premier que j'ai converti, je vais le foutre dans une compagnie. C'est parti. Je gagne 4,70 tout en entraînant mes troupes. Alors, je vais arrêter... Eh ben, arrête de les entraîner, j'allais te dire, oui. Ouais, mais ça me monte mon professionnalisme. La guerre, elle est dans longtemps encore. Non. Tu vas mettre 6 mois pour aller dans 8 mois, et tu vas mettre 8 mois pour remonter ton truc. Ouais, t'as 5,90. Les nobles. Morale terrestre, corruption annuelle, mais même pas en rêve. Qu'est-ce même qu'il nous lune... joue, même le Lunebourg, il s'est dit tiens, je vais attaquer le Brandebourg maintenant. Voilà la mission. Émissaire au Saint-Siège. Eh ben moi, pendant 20 ans, je peux construire à Venise. Ouais. Une mission qu'il fallait développer. Et maintenant, il me faut quoi? L'OIT des bourgeois 60, ça va être facile. Alors, ah mais t'as... Oui, t'as l'institution, toi, tu pourrais me... De quoi? La partager avec toi? Tu pourrais pas me la partager, ouais. Te la vends, alors? Bah oui, je sais qu'il va falloir que je paye, mais... partager, même pas en rêve, non. Si tu veux, là, le temps que ça monte chez moi... Alors attends, qu'est-ce qu'ils veulent, les nobles, là? Ils vont soulever des troupes. Bah au début, j'avais pas trop les sous. En plein sous mes pieds. Merci. Comme par hasard, je viens juste d'arrêter de payer mes troupes. T'es pas obligé d'accepter l'événement tout de suite, tu peux déplacer tes troupes, attendre. Oui. Ouais, bah oui, bon du coup, c'est le thème, hein. Je vais récupérer mes bateaux, pareil, et puis... Puis on est reparti, on va aller s'en occuper de ces cons. Mais bien évidemment, cette demande me paraît tout à fait raisonnable. Bah, Manstab, bien sûr, dans tes rêves. Oui, moi je relâche Venise. Allez hop, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai pas des bâtiments upgradés? Qu'est-ce que je pourrais foutre de mon fric? Envoie-moi. Ah, Constantinople, ça a l'air sympa, ça. Ah, Kola, je peux pas le mettre dans une charte, du coup. C'est pas dans la... C'est sur le même continent. Ah ouais, ça fait cher pour pas grand-chose. Alors, il y a En dessous de... C'est en dessous de Kola que tu peux faire des chartes. Ouais, Caralie Blanche. C'est juste en dessous. Moi je serais toi, je passerai ta capitale en Moscovie et je charterai tout ton pays. Les non. Chartes commerciales, les compagnies commerciales, il n'y a que ça de vrai. N'importe ouais, quoi. Alors là, sur le coup, il va avoir un manpower qui va tomber en flèche. Et on s'en fiche, la guerre c'est surfait, tu payes des mercenaires. Et ma Scandinavie, j'en fais quoi, hein? Tu peux me dire? Tu l'as très bien comme ça. Allez, Texas, bien. Plus 2% d'impôt. Ouais, plus 0,5 de conversion, ça va être bien là. Les nobles sont déloyaux, et ben je l'ai, hein, voilà. C'est pareil, faut pas qu'on se fasse de monétiser, mais j'en pense pas moins. C'est trop... Ouais, là, c'est pas grave, c'est surtout dans les 5 premières minutes quoi, que ça pique. Mais c'est difficile, je comprends. Je suis prêt, Bodaf. 13 000 hommes à côté des 5 000 de machin, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Ouais, ouais, ouais. Je vais me mettre à côté de tous. Et bim, attrition terrestre moins 20%. Ça, c'est bon. Ça. Et en plus, je les maintiens, c'est pour te dire. Allez, go. Mm-hmm. T'avances ça. Ah, pouvoir faire des revendications sur la Castille. Sur l'Aragon, ouais. Tu veux dire. Ouais.
suis pareil, non? Ouais, bon, pour l'instant c'est pas grave. On va aller ici. Pas vraiment. Là on désarme. Hop. Alors, hop. Alors, la prochaine guerre, ça sera avec l'anglais. On va demander au bateau d'aller se planquer en cas de guerre. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Munster veut qu'on vienne à son aide dans la conquête de Cork contre Angleterre. Oups! Et sinon, pendant qu'ils réfléchissent, Boudaf, l'Aragon a 27% d'aspiration à la liberté. Si dans ta guerre contre la Castille, tu défonces les troupes de la Castille et pas celles de l'Aragon, il va arrêter d'intervenir. Ok. Il va rester sans bouger, en fait. Après, je suis pas prêt pour la guerre pour la Castille. La France, j'ai que 3 points de faveur. Hein. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ils sont 70 000... D'accord. Alors, l'Angleterre n'a pas... C'est que 30... quand même. Ouais, mais l'Angleterre n'a pas appelé ses potes. La France vire ses troupes. Donc, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas... Et d'accord, il a appelé personne. Si, il a appelé la Frise orientale. Ok, bon, on va s'occuper de la Frise orientale déjà. On fait tranquille ta petite guerre et après on va aller attaquer l'Ottoman. Mm. Mm-hmm. Que je continue à prendre la côte. Je mets la pause au mois prochain pour déclarer la guerre. Comme tu veux. Donc on est d'accord, c'est une conquête anglaise de Cork. Hein. Ouais. Donc il va falloir qu'on y aille. Malgré qu'il a pris le... T'avais la possibilité de vassaliser le Munster, c'est ça? Ouais. À pas loin, à 40 près, la relation. Dommage. Kossuth, je peux pas cocher Tlemcen parce que lui, il est encore en trêve. Ouais. C'est parti. Je t'invite, c'est parti. C'était ça. Toc. Ils a planqué où ces troupes, Sous? Viens voir papa. C'est bon, voilà. Stack wipe. Je passe faire le siège et je m'occupe pas des autres. Tu me préviens s'il y a un problème sur mes mercenaires. C'est quoi ça? Au pire, j'en rachèterai d'autres. J'ai gardé mes vraies troupes chez moi tranquille. Bon, restez là pour l'instant. Ah, on a l'effet de la croisade. Yes, on influence le pape. Oh les mecs quoi. J'ai déjà monté ma stab avec ça. Alors il a quoi comme bateau? 24 bateaux, 18 navires de transport et 5 navires lourds dans une... Leurs 14 000 hommes vont vers le nord. Ouais, c'est la vie. En fait, je pourrais défoncer la flotte anglaise. Hein. Avec mes galères dans des mers intérieures là. J'aurais mal aux fesses. Gaffe, t'as bloqué Gibraltar? Bloque Gibraltar, pause! Pause! Tes bateaux, Boudaf! Ouais, bah après, normalement j'ai Ciota, ils sont pas censés pouvoir traverser. Hein. Ah, si tu mets pas de bateau, ils passent comme ils veulent! Enfin, s'ils prennent. Même avec un fort! Hein. Voilà, ouais, ils prennent le fort déjà. Ouais. J'avoue. Par contre, tu peux peut-être les bloquer sur. Sur Ciota, s'ils ont pas toutes leurs armées, tu bloques le détroit, comme s'ils peuvent pas se retraiter, t'es obligé de faire un stack wipe si tu les défonces. C'est rigolo. Mais bon, là, de toute façon, le temps qu'ils tombent ce tard, on aura fini leur capitale. Alors, est-ce que j'ai fini de faire tous mes ateliers partout? Je pourrais commencer à en faire à Byzance, puisque je suis en train de l'intégrer. Voilà, l'anglais s'est fait défoncer. Bisous. Est-ce que je manque pas un peu de bateaux aussi, moi? 62 sur 63. Allez, j'en étais on repart sous... parce qu'il y a du monde, là. C'est qui, là? La Frise orientale... Et le Munster soldé par la Frise orientale, c'est pas le même Munster là, rassurez-moi. Le Munster avec des trémas et le Munster sans tréma. D'accord, ok. Ah bah ouais, faut pas confondre. Très bien, très bien. Il y en a un qui est dans le cercle et l'autre non. L'autre, il est parti prendre de l'extension agressive. De. Pardon, de. Du. De l'attrition sur le fort de Sota, les pauvres. Ils sont à moins 49, ils en ont pour 10 ans. C'est clair, moins 49, ils sont pas prêts de le prendre.
Surtout que toi, t'en as déjà tombé un. Moi, je suis à 14 sur l'autre. Puis tu ramènes ton général à 3, c'est ça? Bah ouais, bah voilà. Eh oui. La guerre sera finie, ils auront pas bougé. Et on va se faire chier jusqu'en 74. Ah, l'anglais a appelé le Dietmar, tiens. Intéressant. Par contre, moi, je préviens, hein, si la Hongrie déclare la guerre à quelqu'un, à qui que ce soit, je me lance dessus. Mais donc je sais qu'elle va... pas trop au nord. Ouais, j'ai pas l'intention de remonter au-delà de, la, de l'ancienne Hongrie. Par contre, le truc, c'est que j'ai peur qu'en déclarant la guerre à l'Ottoman, elle se jette sur l'Ottoman. Je pense que je vais prendre les... Je vais faire du border gore le long de la Hongrie, et je vais pouvoir lui couper l'Ottoman. Mm. Histoire que, comme ça, si elles veulent progresser, qu'elle aille vers la Lituanie-Pologne, ça deviendra le problème d'un autre. Allez, vous savez quoi? C'est l'heure de déclarer la guerre, moi ah, aussi. Ah non! Ah si. Non, désolé. C'est l'heure de s'arrêter. Ouais, je sais, mais ça sera quand même la guerre au prochain épisode. Eh ouais! Yes! Et j'imagine qu'on dit au revoir. A plus tout le monde! A plus tout le monde! Ciao tout le monde! Bye bye!